How French are you? Nick Abendanon. Bah, bonjour Nick, on va tester maintenant ta culture générale française. Ça fait 3 ans que tu es arrivé, on est arrivé ensemble à l'ASM, donc on va voir quand même si tu t'es intéressé à autre chose que bon, le rugby et l'ASM. Bon, il y a des trucs que tu vas savoir, il y a des trucs que même moi je ne sais pas. Donc on va voir si tu as appris pas mal de choses pendant 3 ans. Oula, ça c'est... Voilà. Les sismographes ont enregistré un tremblement de terre sur 6 km lors de la victoire de Clermont en finale. Vrai ou faux? Il faut que je comprenne la question. Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre? Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre quand l'ASM a gagné? Oui ou non? Oui. Bien. 50-50. Bien sûr. Bien, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça là. Ah. Bien sûr. Bon. Quel est le nom de cette spécialité auvergnat? La Ligue. Ça c'est... La Ligue. Non, ça c'est... je connais ce truc. Ça c'est le truffard. Wow, très bien. Ah, putain, bravo. Merci. Ah, c'est facile. Allez. Quel surnom n'a pas été attribué à Olivier Mer? L'homme de demi, Birdie, le massif central. Birdie. Tu as bien. Ouais, ah ouais? Machine. Hein. Bravo. Merci. Combien de volcans compte la chaîne de Puy? Je pense que c'est plus de 80. Ouais, c'est putain, ça, non? Ah, machine. Tu sais, t'as dit au pif. Tu te rappelles qu'on a monté ça? T'as dit au hasard? Qui a gagné? Moi, je le monte pas. C'est toi? Ah oui, c'est toi. C'est facile. Facile. Quelle candidature supportes-tu pour l'organisation de la Coupe du Monde 2023? Trois options. Trois options. La France ou la France? Je pense que c'est la France. C'est la France, oui. Ouais. Ah ben oui. Quel mathématicien et philosophe est né à Clermont? Ouf. Ouais, c'est facile. Ah, Blaise Pascal. Blaise Pascal, le grand frère. Blaise Pascal, Matuidi. Blaise Pascal, Papé. C'est qui c'est Matuidi? 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 Matuidi, c'est qui? C'est un joueur de foot. Ah ouais? Qui jouait à Paris. Ça, tu connais qui c'est? Oui, Papé. Pascal Papé. Je pense que c'est Blaise Pascal. Bien. On a pu lui mettre un peu plus compliqué quand même, ces questions-là. C'est facile, là. C'est quoi ces trucs-là? Ah, ça, c'est facile. Comment s'appelle ce personnage? C'est facile aussi. C'est quoi ça? Abendanon. Abendanon, Bimendum, Imodium. Tu sais ce que c'est? Non, je sais pas ce que c'est. It's Bimendum. Ouais. Bravo, Nick. Pas trop compliqué, ça. Plus avec des vrais ou faux. Comment s'appelle cette fameuse équipe de 63? Ses cousins. Les Lopez, les Rodriguez, les Ramirez. Je pense que c'est les Rodriguez. Les Rodriguez? Ouais. C'est, ah, c'est après, pas ça. C'est sa famille. Tu connais pas sa famille, c'est gros. Ta famille. C'est cousin. C'est cousin, lui. C'est cousin, lui. Tu les connais pas? T'as jamais vu la vidéo? C'est cousin. Non. C'est les Lopez du 63. C'est vrai? Ouais. C'est cousin. Je te montrerai la vidéo. En 2016, Leuven a été classé parmi les 10 plus belles destinations du monde par le Lonely Planet. Ah oui? C'est une question. Oui, je sais. Tu dis ah oui? C'est une question. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est bien, putain. Ah oui. Tu peux pas dire non. S'il dit non, il se fait défoncer ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Pas mal, les gars? Ouais, c'est pas mal, Nick. Je suis envie maintenant de faire les questions en anglais parce que je pense que si on fait l'inverse comme ça, tu connais absolument rien. C'est beau, Nick. Et t'as mis tout, Auvergnat. T'es pas trompé sur l'Auvergne. Merci. Bon, merci, Nick. Merci, Nick. Merci beaucoup.